Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 20 avril 2024 pour la rando mob et 50 cm3 du motoclub de Chaladré. Donc voilà, le local est ici, les mobilettes sont ici, et là-bas on retrouve la gare de Culmont-Chaladré, puisque derrière c'est Culmont et ici c'est Chaladré. Voilà, donc on est en train de se préparer. Il y a 43 mobilettes, enfin 43 petites cylindres de 50 cm3 qui sont prévues, voilà. 43, c'est pas mal, c'est un beau chiffre. Donc voilà, moi mon soleil c'est prêt, je suis prêt à démarrer, la caméra elle est prête parce que là j'ai commencé l'enregistrement. Et on va faire cette balade et je vais vous montrer ça toute la journée. Allez, c'est parti, on y va.
Bon ben voilà les passionnés, on est sur la commune de Vic, devant la mairie, voilà, Vic, V-I-C-Q, voilà. Donc Vic, voilà, pour la petite pause casse-croûte, enfin casse-croûte intermédiaire on va dire. Intermédiaire pour histoire se réchauffer parce que franchement, waouh. Quand je suis arrivé ce matin à Chalandré, au thermomètre, j'avais vu 3 degrés, juste 3 petits degrés, ça caille, hein. Je peux vous dire que ça caille, surtout au niveau des doigts, moi, oh là là, ça pinçait des doigts, c'est un truc de dingue. Voilà, donc on est de Vic. Donc là, je vais te montrer les machines qui sont là. Voilà, qui sont là, motobécane M7 ou M16, je sais pas, mais voilà. Hop, MBK, tiens, je te montre tout. Les machines qui sont là, les machines des participants, 50 AV. La Pigeot, c'est un peu plus ancienne. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Les machines. Un Psyker. Il y a aussi les motos accompagnatrices qui sont là, les motoclubs, les membres du motoclub. Voilà. Tac. Les mobilettes. Un scooter Peugeot SV, ah, c'est le collector ça. Les motos tu vois qui sont là. Et une motobike New West, voilà. MBK Magnum Racing. Ah, celle-là est dans son jus, hein. Celle-là est dans son jus. Hop, c'est un peu plus ancienne. Impeccable. Ah, celle-là, j'ai doublé à plusieurs reprises, un peu de difficulté. Bon. Ah, ça doit être une Dakota ou une Phoenix. Ah non, Phoenix, c'est marqué là. Phoenix, tac. Une Peugeot, Peugeot 103. Une Vogue. Tac, MBK. Ouais, pas mal d'impôts. Le pirate, le pirate. Hop, les machines. Ah, c'est pas mal ça. Là, ça c'est assez original. Une base Peugeot 103 avec des petits trous. Ça c'est une... C'est pas une grosse sienne, je crois. Je sais pas. Hop. Ça c'est une moto. Ah, MBK Hard Rock. Ah bah tiens, j'ai acheté un cadre. Je crois que c'est le même modèle. Donc je vous fais une petite convenance. Peut-être un jour je ferai une mobilette. J'ai déjà le cadre. J'avais pas le reste, mais j'ai déjà au moins le cadre. C'est le minimum. Ah, MBK Club VR. Oupa. Une Peugeot 104. Tac. Voilà, une 50 RV, une Peugeot 102, une 103, une Peugeot 103, et encore une Peugeot 103, et moi je suis venu avec mon 5000 là, voilà. Donc, je vous ferai une vidéo de présentation de mon 5000 cette année, patience, patience, voilà. Voilà, je vous ferai une vidéo de présentation, mais voilà, voici l'état, déjà un aperçu de mon sac 5000 en exclusivité. Bon bah voilà, ça y est, c'est la fin de la pause casse-croûte, on va se remballer. Voilà, donc là il remballe la table pour la pause casse-croûte. On va remettre nos casques, on va aller en direction du restaurant à Guyaumont. Voilà, Guyaumont, voilà, c'est là où il se trouve le restaurant. Et puis moi je vais remettre gants et surganges parce que j'ai vraiment eu froid droit là, je me pèle même les doigts. Et l'avantage c'est qu'il y avait une petite salle des fêtes pour faire une petite pause pipi, une petite pause toilette. Voilà. Puis moi je vais pas trop tarder parce que comme ça j'essaie d'aller devant pour pas trop retarder les autres. Je suis quand même pas le plus lent mais je suis quand même en solex. Je vais éviter de retarder les autres. Allez on continue.
Bon voilà, ça y est les passionnés, on est arrivé à Guyonvel, donc le restaurant est derrière moi, voilà, pour la pause déjeuner. Impeccable. Impeccable, voilà. Donc les mobilettes sont là. Voilà. Moi aussi je suis arrivé sans encombre, le soleil c'est là-bas. Voilà. Donc voilà, on est à Guyonvel. On va faire un petit coup apéro, puis après on va manger. Voilà. Je crois qu'il y a même un petit coup barbecue là qui est prévu. C'est bien ça. C'est bien ça. Il y a quand même une sacrée rangée. Hein. On est pas loin de 50 de roues. Ça commence à faire causer là. Avec tout ça là-bas, les motos qui sont là, voilà. Donc voilà, pause déjeuner. Donc arrivé sans encombre. Hein. Le Solex tourne bien pour moi. Pas de problème, pas de mécanique. Je suis pas le plus rapide, mais je pédale beaucoup. Je pédale énormément. Pas intensivement, pas comme un babal non plus, mais je pédale. Voilà, je pédale surtout par un gros panier de moteur. Bon, bah, je vais me restaurer, et puis je vais vous présenter ce qu'on va manger, et puis on continue. Allez, on va au restaurant. Bon, bah, là, ça y est, les passionnés, on a bien mangé, bien bu. J'ai le petit ventre bien tendu, comme dit, mais si, le petit Jésus. Là, il y a même un drone qui filme. Voilà, il y a tous les membres du Moto Club de Chindry qui sont là. Voilà. Voilà. On entend bien le drone, hein. Donc, il est là. Voilà. Voilà, tous les membres du Moto Club sont là. Voilà. Donc, c'était un bon moment en restauration. Et le soleil est là, c'est ça qui est bien aussi. Le soleil est là. Attention, hop, il y a une voiture qui arrive, je laisse passer. Voilà. Donc, bah, on va reprendre la balade. On va passer par quelques communes, notamment une commune de Rougeux, là où il est le président du motoclub. Voilà. Voilà, et donc bah, on va renfoucher les petits cyclos. Et puis c'est continuation de la balade. Allez, on continue.
Bon ben voilà les passionnés, petite pause, hein, voilà, pause à Rougeux, sur la commune de Rougeux, voilà. Donc, c'est la commune aussi où réside le président du motoclub, le Chalandré. Et donc là on va faire une petite pause, hein, jusqu'ici tout va bien pour mon Solex, voilà, ça roule. Il y a pas mal de mobilettes. Voilà les mobilettes en panne, voilà, je vais te montrer. Donc il y a tout ça qui sont là, qui fonctionnent. Voilà, tout ça là-bas, jusqu'à là-bas. Et celles qui sont en panne, voilà. Celles qui sont en panne, voilà, sont sur la remorque. Voilà, ça c'est toutes les mobilettes en panne. Voilà, les pas fiables. Voilà. Donc voilà, donc, il y aura une petite pause fringale, histoire de se restaurer. Donc on est devant la mairie de Rougeux, mairie comme salle des fêtes. Salle des fêtes, voilà. Et puis on va se reposer un peu parce que moi j'en ai un peu besoin. Je commence à fatiguer et puis bon, surtout mon genou gauche là. Là le genou gauche commence à avoir un peu mal, là, voilà. Je pédale énormément pour éviter d'être à la bourre. J'ai le sentiment d'être plus long, alors ils me disent que je suis plus rapide par rapport à l'année dernière. Plus rapide que mon 3800 MBK bleu de 1986. Je suis pas... Moi je suis aperçu du contraire, mais bon, je peux me tromper, voilà. Mais en tout cas voilà, on va faire une petite pause et puis je vais vous montrer ce qu'on va boire et manger, voilà. Allez, on continue. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, on a mangé le petit casse-coupe de fin de journée, voilà. Donc on a terminé. C'est histoire de se mettre un peu de réconfort et surtout d'énergie, parce que là, on se rapproche plus de Culmont-Chalandré, voilà. Donc on est à l'intérieur la salle des fêtes de Rougeux, voilà, la commune de Rougeux. Et puis donc on va renforcer nos machines, mettre nos casques et direction Culmont-Chalandré. Allez hop, tiens, je vais te montrer ça. Voilà, donc là on est dehors. Et puis on va pas s'attarder à repartir. Allez, on continue. Thank you.
Bon voilà, ça y est les passionnés, on est rentrés, voilà. On est de nouveau devant le local du motoclub de Chalindré, avec la gare là-bas, la gare de Culmont-Chalindré. Voilà, on est au motoclub de nouveau. Voilà, donc fin de la balade, super journée, super content. Pas de pluie, ou à peine quelques gouttes, et à peine. Voilà, donc c'est génial. Par contre, on a eu super froid, mais la météo, je pense qu'on est en pleine période des 5 glaces. Ça se sent, hein. Période des 5 glaces, voilà. Donc moi j'ai super froid aux mains. Mais voilà, c'était super, génial. Génial. Donc voilà. En tout cas, je remercie les propriétaires du trike là, qui m'ont fait passer par un autre chemin plus court, enfin, et surtout plus plat pour le dernier parcours, voilà. Après notre halte à Rougeux, voilà, pour le petit casse-croûte de fin de journée, à Rougeux, sur la commune de Rougeux, dans la salle des fêtes de Rougeux, voilà. Mais voilà, super. Ah bah tiens, il y en a qui ont eu de la casse, pour casser. J'ai une code, ah bah, ou déboîter, c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, pour mon sac, ça s'est très bien passé. Bon, c'était pas le plus rapide, mais en tout cas, il était fiable. Voilà, j'ai été super content. Voilà, je remercie surtout aussi les membres du motoclub de Chalindré. Je bafouille un peu, je suis un peu fatigué, mais j'ai passé une super journée. Voilà, remerciements à tous à eux, remerciements pour leur implication, et puis surtout pour le plaisir de partager. Voilà, c'est très important. Et voilà, donc c'est sur cette conclusion que je vous dis merci de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.